Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite onirique sur une série que vous avez sûrement déjà entendu parler depuis quelques temps. Nous allons visiter une île sur le thème de Squid Game. Vous allez voir, c'est une île qui comporte quelques mini-jeux auxquels nous allons pouvoir participer, un peu comme la série finalement. Alors je tiens à dire que si vous n'avez pas vu la série, que vous comptez la voir ou quoi que ce soit, voilà, revenez peut-être plus à ce moment-là au niveau de la vidéo, parce que forcément que ça va contenir du spoil. On en discutait l'autre jour en live, comme quoi j'avais vu la série, que je l'avais terminée, qu'elle m'avait bien plu, mais que c'était pas ma série préférée. On avait regardé un petit peu quelques images et on avait vu qu'il existait une île sur le thème de Squid Game qui a été créée par Chillax Crossing, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Et du coup je me suis dit, vas-y, mais je vais la visiter en vidéo. Alors écoutez, comme vous pouvez le voir, eh ben on voit strictement rien, mais je tenais à vous dire que voilà, j'ai choisi le numéro 456 en espérant que ça me porte chance. Donc là pour le moment nous sommes 456 joueurs comme vous pouvez le voir, et nous sommes dans les dortoirs avec un petit peu tous les joueurs qui sont représentés. Les dortoirs sont bien... sont drôlement bien faits. On a les clochettes qui sont juste ici, qui représentent, enfin j'imagine que ça représente la tirelire cochon qu'on voit. J'ai déjà choisi ma tenue, mais par contre je veux bien mettre le pantalon parce que je l'avais pas trouvé. Ah ouais non, j'étais méga plus sexy avec mon jean. En tout cas j'ai trop hâte de visiter ça. Alors déjà on peut apercevoir, littéralement je vois à peu près les 6 épreuves, hein. Alors déjà ici on commence à l'endroit où on fait la queue tout simplement pour accepter les termes du jeu, c'est-à-dire que le jeu ne peut pas être arrêté en cours à part si la majorité des joueurs le décide, etc. Voilà, et ensuite on avance sur le côté. Alors je me demande s'il y a un chemin, ouais, le chemin est guidé. Donc là c'était vraiment le moment où on choisissait, il faut que j'aille forcément par ici. Eh bien écoutez, let's go. Oh, alors ça c'est sûr et certain, c'est censé représenter les escaliers. Et je me suis déjà perdue. Bon, forcément c'est représenté façon Animal Crossing, c'est-à-dire que je pense que la personne a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir réaliser le truc le plus fidèle possible à la série, mais forcément que c'est pas non plus la représentation exacte de la chose. Ça n'a même pas commencé que je suis déjà perdue. Je me suis fait avoir, j'ai été dans les escaliers mais je n'ai pas traversé les escaliers finalement. Ok, c'est par ici que ça commence, avec la première épreuve qui est le 1, 2, 3 soleil. Donc on a tous les joueurs qui sont juste ici, le numéro 212, 199, le 01, bref. Oh, on a les petites machines là qui représentent les projectiles. Attendez, on a la poupée au fond. Non mais ça va pas du tout, il faut que j'aille voir ça. On peut finalement dire que cette partie de Squid Game n'aura pas duré très longtemps. Bon, reprenons-nous. C'est la partie du 1, 2, 3 soleil. Bon, c'est assez charmant au niveau du sol, comme vous pouvez le voir. Finalement, c'est assez sympa. En tout cas, c'est assez bien représenté. On a ici, bah, du coup, la poupée avec tous les joueurs. J'ai l'impression aussi qu'ils sont plutôt pas mal représentés dans le bon ordre. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que... On va faire un petit compteur de mort, non? Donc là, j'ai l'impression qu'il s'agit de la joueuse 067 qui se cache derrière le 212, hein. Et puis le 456 qui est quand même vachement à la traîne finalement. Là je vais tomber dans un trou encore, il n'y a pas finalement, j'ai pas envie. Ok, ça inspire pas forcément confiance. Mais j'allais dire, j'aurais peut-être pas pensé à utiliser cet objet comme, comme projectile finalement. Ok, donc je dois aller par ici. Continue. Ah, c'est le moment où ils choisissent s'ils veulent rentrer chez eux ou si on continue le jeu. Alors eux, bien évidemment, avec le tuyau qui te renvoie à l'entrée, c'est génial. Alors nous, on est là pour l'aventure, donc on va continuer. Wow, mais c'est la zone des cercueils où il y a tout le monde qui se fait flamber, finalement. Pour le moment, aucun détail est désigné, je trouve ça vraiment plutôt pas mal, hein. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la loge où ils regardent un petit peu ce qui se passe au niveau des jeux. Oh là, super. Bon alors là, autant j'imagine que je peux rien du tout y faire. Parce que forcément, je ne peux pas faire ce jeu-là dans Animal Crossing, tout simplement. Mais écoutez, on va estimer que j'ai... Oh! C'est la scène où il faut tirer la corde. Mais c'est hyper bien représenté. Avec le truc Mario au milieu. Oh non, mais carrément. Ah, et là, j'imagine que c'est la salle où, entre guillemets, le chef regarde quels sont les participants restants avec leur photo qui est toujours affichée ou pas du tout. Oh là, mais on enchaîne, hein? Il n'y a pas enchaîné comme ça, finalement. Ça, forcément, on a à peu près tous reconnu. C'est l'épreuve du jeu de billes.
Alors j'imagine que peut-être que le but va être qu'il va falloir que je récupère tous les paquets. C'est parti, finalement, faisons le labyrinthe, hein. J'espère ne pas trop m'être trompée. Alors attendez, est-ce qu'il faut pas récupérer 20 bois? Ou pas du tout? Ou peut-être qu'on doit récupérer des matériaux pour crafter quelque chose à la fin? Ouais, ça me paraît vachement bizarre qu'on récupère des matériaux comme ça si c'est pas pour s'en servir à la fin. Alors, je crois que j'étais sur le bon chemin tout à l'heure. En plus, pour le coup, le fait d'être sur une île déserte de Animal Crossing New Horizons, ça représente assez bien la série. Le moment où le policier essaye de s'échapper, etc. avec les bouteilles d'oxygène. Hein. Une hache. Ah! Je l'ai trouvée directement, la hache. Ah bah oui, il y avait un arbre, ok. Mais j'aurais pu la crafter moi-même, je pense, la hache. Bon, écoutez, pour le moment, j'ai utilisé celle qu'on m'a gentiment donnée. Hop. Ah, je pense qu'il y avait deux façons de sortir, en fait. Il y avait la façon de récupérer les fruits. Tu les manges et tu craftes une pelle. Hein. Ou même pas, finalement. Attendez, mais on est déjà à la dernière épreuve, là. Enfin, la dernière épreuve, non, pas vraiment. Mais l'avant-dernière. Ok. J'imagine qu'il y a un trou dans lequel je vais survivre et un trou dans lequel je vais tomber. Est-ce qu'il a suivi le chemin de la série? C'était pas ça le chemin de la série? Ah non, il me semblait que c'était gauche! Pardon, excusez-moi, c'est exact. Attendez, je crois que c'était gauche. Je dirais en face. Je dirais sur le côté. Oh là là, mais je peux participer direct, hein. Ah, dommage. Dommage. Je me serais dit, mais vas-y, je peux participer et tout, mais finalement, non. Et là, comme ça. Oh. En face. On était drôlement bien partis, hein. Bah, ça va, franchement, on s'en est plutôt bien sortis, non, vous trouvez pas? Ça va encore, hein. Ok, donc là, on a quoi? Donc, on a le jeu du Squid Game, forcément. Oh non, on a une pelle. Pelle. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je trouve une perche pour m'échapper. Ah non! J'imagine bien évidemment que les pelles ont une durée d'utilisation, eh bien, entre guillemets, maximale. Si je n'ai plus de pelles au moment où je n'ai pas trouvé la perche, parce que vous le savez, ces pelles-là n'ont pas une durée illimitée, c'est que l'épreuve est perdue. C'est que je peux dire adieu à la récompense et dire adieu à mes petites fesses. Mais très bien, on espère tomber dessus, écoutez. Hein. Écoutez, je pense que c'est aussi le moment pour vous de me dire dans les commentaires si vous avez vu la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que nous, on en a beaucoup discuté en live. Pour ceux qui me suivent en live, vous savez un petit peu mon avis dessus. J'ai trouvé que c'était une très bonne série. Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, c'est pas forcément ma série préférée. J'ai vraiment apprécié. One eternity later. Ça devient compliqué là quand même. Hein. Je pense que je vais faire tous les bords en fait. Je vais faire ligne par ligne. Là, j'étais vraiment en train de chercher dans les milieux et... Oh putain les gars, on se tire! On se tire! Ok. Donc c'est hyper bien représenté. Là en haut, on a les VIP. Qui sont en train de nous mater, quoi, littéralement, d'une certaine façon. Avec... je l'appelle le chef, parce que je l'ai appelé comme ça pendant tout le long de la série. Donc écoutez, ça ne changera pas. Puis là, on a toutes les clochettes. Alors bien évidemment, on est dans un rêve... Dans un dream code et donc du coup forcément je ne peux pas récupérer l'argent et partir avec, c'est un peu dommage finalement. Comment ça c'est pas fini? Comment ça j'ai pas la pelle? Finalement je suis juste un petit peu teubée. Parfois c'est pas facile vous savez. Je pense qu'en effet participer à ce jeu c'était pas forcément pour moi. C'est bien, au moins ça l'aura prouvé. Ok, donc là j'imagine qu'on revient directement dans les rues. Oh, c'est beau ça. C'est vachement bien représenté quand même. Hein. Alors attendez, je regarde quand même si on n'aurait pas des choses à visiter ou quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre moment préféré de la série. Moi je dois vous avouer que le moment avec Ali restera à tout jamais dans mon petit cœur. Do you want to play a game? Non, j'ai plus très envie là. J'aimerais bien... Oh, le métro! Le métro dans lequel on obtient le ticket avec le jeu. Mais génial en fait. Ah et donc ça nous renvoyait là le tuyau.
C'est dommage de ne pas avoir commencé par là directement. Ça aurait pu être cool. Donc d'abord commencer par cet petit endroit de ville plutôt que de commencer dans les dortoirs. Et bien en tout cas cette visite d'île était vraiment, ma foi, plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé directement. Et bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures sur Animal Crossing New Horizons, notamment pour le direct à CNH. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, si jamais ce n'est toujours pas fait, pour voir un petit peu plus de déco ou ce genre de choses sur le jeu. Attendez, même si je peux pas les emporter, juste pour le plaisir. Et puis moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très vite. Ciao ciao.